السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو بیٹھ جائیں پھر. اس دفعہ سسٹم کچھ اور ہے, مجھے اپنا مجھے نظر نہیں آ رہا وہاں, اس لیے تھوڑا سا مسئلہ پڑ سکتا ہے. اینی وے شروع کریں. تلاوت قرآن کریم باسل بٹ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے حضور. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلب فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا الصالحات منهم آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. The English translation of the verses just presented from Surah Al-Fath. De ces versets, c'était les versets 29 et 30 de la Sourate Al-Fath. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. C'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de la vérité
afin qu'il la fasse prévaloir sur toutes les autres religions. Et Allah y suffit comme témoin. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont fermes devant les mécréants et tendres entre eux-mêmes. Tu les vois s'incliner, se prosterner dans la prière, recherchant quelque munificence de la part d'Allah ainsi que son plaisir. Ils ont les visages marqués par les traces de leur prosternation. Tel est leur signalement de la Torah. Et dans l'Évangile, ils sont comparés à une semence qui germe, puis renforce la jeune pousse. Puis elle grossit et elle se tient ferme sur sa propre tige, faisant la joie des semeurs, et afin qu'ils fassent bouillir de rage les mécréants à cause d'eux. Allah a promis à ceux d'entre eux qui croient et qui font de bonnes œuvres le pardon et une très grande récompense. Omar Sharif pour le poème. Assalamu alaikum wa rahmatullah, piyare huzur. Wa alaikum salam. Kalam Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi salatu wa salam. Je vous présente un poème du Messie premier alayhi salam. Har taraf awaz dena. Notre tâche est aujourd'hui de lancer des appels en toutes directions. Notre tâche est aujourd'hui de lancer des appels en toutes directions. Quiconque a une âme pieuse viendra ici en fin de compte. Quiconque a une âme pieuse viendra ici en fin de compte. Sans tes faveurs, tous les actes d'adoration ne servent à rien, mon Seigneur. Sans tes faveurs, tous les actes d'adoration ne servent à rien, ô mon Seigneur. Aucune couleur n'est meilleure que celle de la taqwa. Aucune couleur n'est meilleure que celle de la taqwa. La taqwa est l'ornement de la foi et de la religion. La taqwa est l'ornement de la foi et de la religion. Sans cela, ils peuvent se lever, mais il n'y a pas de lumière sans le visage du bien-aimé. Sans cela, ils peuvent se lever, mais il n'y a pas de lumière sans le visage du bien-aimé. Sans l'union de Dieu, ce monde est une nuit sombre et obscure. Ô mon amour, tu es le seul et unique au monde. Ô mon Seigneur, ô mon amour, tu es le seul et unique au monde. Ceux qui sont follement amoureux de toi sont les perspicaces. Ceux qui sont follement amoureux de toi sont les perspicaces. Nous habitons aux cieux, pourquoi avons-nous besoin de cette terre? Nous habitons aux cieux, pourquoi avons-nous besoin de cette terre? «
nous habitons aux cieux, pourquoi donc avons-nous besoin de cette terre? Quelle inimitié les habitants du ciel nourrissent-ils à l'égard des habitants de la terre? Notre tâche est aujourd'hui de lancer des appels en toutes directions. Quiconque aura une âme pieuse, viendra ici en fin de compte. Rapport de la conférence par Monsieur le directeur de la MTA. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا وإمامنا Cher Amir al-Mu'minin, Khalifatul Masih al-Khamis, qu'Allah vous accorde son soutien. Chers participants du monde entier et chers collègues de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ce voyage qui a commencé sous la direction du troisième calife nous a amenés aujourd'hui. Et cette histoire n'est pas une simple histoire, c'est en fait un miracle divin que nous voyons au quotidien. Et des millions de personnes en témoignent chaque jour dans le monde. Pendant 30 ans, depuis la création de la MTA en janvier 1992, Allah le Tout-Puissant, de par sa grâce et de par sa gloire, a guidé la communauté et a fait progresser cette bénédiction qu'est la MTA internationale. Alhamdulillah, quelle chance avons-nous d'être partie de ce miracle croissant. La seule source de lumière au milieu d'un océan d'ignorance. Nous ne pourrons jamais assez remercier Allah à cet égard. Par la grâce d'Allah, l'organisation de la MTA n'a cessé de croître d'année en année sous la direction du calife. Ayant été témoin de l'impact mondial de la MTA à travers des efforts humbles et des prières sincères, j'ai de très bons souvenirs de la façon dont nous avons lancé cette chaîne satellitaire sans aucune expérience dans le passé, avec une chambre qui faisait 5 mètres sur 5 mètres qui nous servait comme studio et qui nous servait comme vidéothèque. Eh bien, dans cette chambre, il n'y avait que quelques draps ordinaires, quelques rideaux et quelques caméras et quelques projecteurs ordinaires qu'on utilisait pour l'éclairage. Par la grâce de Dieu, ceux qui ont eu la chance de faire partie de la MTA internationale depuis le début et le monde en général a constaté qu'en 30 ans, la MTA n'a cessé de progresser et la MTA transmet son message sur 8 chaînes satellitaires 24 sur 24. La MTA possède aussi 6 chaînes de streaming et 3 services terrestres avec des studios de pointe, des installations de diffusion et des caméras de pointe et des installations de production qui sont très avancées avec 20 équipes internationales qui produisent des émissions dans différentes langues et qui diffusent cela dans le monde entier. Nous sommes les témoins directs du fait que cela n'aurait pas été possible sans la grâce et la supervision et les conseils directs du califat à chaque étape. Depuis le début de son califat, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, le cinquième calife, était très passionné par la diffusion du message de l'Ahmadiyya, l'islam véritable dans le monde. L'administration et la supervision globale de la MTA internationale est un domaine dans lequel le calife a maintenu un profond intérêt. Sa sainteté le calife a personnellement lancé une multitude de nouvelles émissions et il a participé dans d'innombrables émissions allant des conférences, des sermons, des cours, des moulakates
Et il a fait en sorte que la MTA cherche à fournir un moyen d'éducation et de formation sans égal dans l'histoire. Sous la direction dynamique du cinquième calife, suite à ses humbles supplications, la MTA internationale n'a cessé d'embrasser de nouvelles avancées et atteindre de nouveaux sommets. Sous la houlette et la direction de Sa Sainteté le Calife, les trois jours de cette conférence ont également marqué le passage à une expérience virtuelle complète. C'est ainsi que nous avons pu atteindre 30 pays et en tout 561 participants étaient présents le premier jour et le deuxième jour 600 participants ont profité de ces sessions en ligne que nous avons eues durant ces trois jours. Il y a eu des formations et des présentations en ligne qui visaient à améliorer la connaissance des membres et à augmenter la productivité et la performance des membres. Ces séances comprenaient des discussions sur les domaines suivants: la régionalisation de la distribution des chaînes et l'importance du contenu régional, le fait d'établir de nouveaux studios à travers le monde, la collaboration internationale et le service de traduction et de sous-titrage, des processus de production en studio et les ressources, l'usage d'une ressource, le rôle d'intégrer des graphiques pour améliorer nos émissions, le fait de contrôler la qualité de production, les normes d'amélioration des émissions, la gestion du main-d'œuvre. Il y a eu aussi des programmes et la diffusion des chaînes sur une chaîne et le fonctionnement de notre flux de travail. Qu'Allah accepte nos efforts et qu'Allah fasse que nous soyons des véritables assistants d'Allah et que nous soyons toujours des serviteurs loyaux du califat. Qu'Allah nous permette à nous tous d'accomplir nos devoirs de la meilleure façon possible, conformément aux attentes de Sa Sainteté le Calife. Tout cela n'aura pas été possible sans les prières de Sa Sainteté le Calife, et nous aurons toujours besoin des prières de Sa Sainteté le Calife. Jazakumullah. Il y aura maintenant une présentation vidéo. Par la grâce d'Allah, sous la direction de Sa Sainteté le Calife, la MTA n'a cessé de progresser dans le monde entier. Nos studios sont en train de servir dans le monde entier. Nous avons aussi des chaînes terrestres au Ghana, en Gambie et au Suriname. Et grâce à cela, on est en train de transmettre le message de l'islam et de l'ahmadiyya dans le monde entier. Sous la direction du calife, non seulement qu'on a établi des anciens studios et qu'on a apporté des changements techniques, mais il y a aussi de nouveaux studios. Nous avons 19 studios qui étaient impliqués dans cette conférence. Et il y avait aussi 11 équipes locaux. Et nous avons aussi notre chaîne à Islamabad où l'on diffuse les sermons du calife. Nous avons aussi d'autres studios dans le monde entier. Et il y a les studios des États-Unis, de la Tanzanie, de Kababir, de l'Indonésie et du Canada, du Bangladesh, de l'île Maurice, et plusieurs, nous avons plusieurs studios en Allemagne, et nous avons aussi plusieurs départements à Farnham et ailleurs. Cette expansion a fait quelque chose de possible, quelque chose qui ne s'est jamais passé
auparavant, quand le monde était confiné, notre bien-aimé calife visitait le monde entier et il était face à face à des Ahmadis grâce à des rencontres en ligne. Un avantage est que grâce à ces rencontres virtuelles et que j'arrive à vous voir, je peux voir vos visages et je peux voir comment les Ahmadis sont fermes dans leur foi et je peux voir leur amour sur leur visage. Donc voilà l'avantage que je tire de ces rencontres. Durant ce confinement, lorsqu'on était tous contraints d'être à la maison, eh bien, l'infrastructure de la MTA a permis aux Jamaat d'être ensemble à travers des enseignements, à travers des émissions, et grâce à ces studios sont en train d'offrir aux organisations locales des moyens pour transmettre le message et pour les différentes activités. Et cela s'est transformé en des rencontres internationales. Et il y a eu des événements comme le Téléthon de Humanity First, le Rallye Wakfe Now et le God Summit récemment. Une autre bénédiction de tous ces studios est le fait qu'on a augmenté le nombre d'émissions et de programmes. Et il y a ces émissions pour les enfants comme Bachon Kidunia, Destination Next et Kidspace. Et certains de ces services ont été étendus en Afrique. Et là, par exemple, en Gambie, la MTA a pu offrir des formations et aussi la construction de deux nouvelles chaînes pour la chaîne nationale. Qu'Allah nous permette d'être toujours à la hauteur des attentes de sa sainteté le calife. That's all. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله MTA الحمد لله par la grâce de Dieu, la MTA a tenu sa conférence internationale ce week-end. Et j'espère et je prie que vous tous, vous auriez profité des différents programmes qui ont été mis en place et des sessions de formation. Aujourd'hui, à notre époque, le Messie premier d'Islam a été envoyé par Dieu pour ranimer les véritables enseignements du Saint-Coran et les enseignements du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, et pour transmettre ces nobles messages aux quatre coins du monde. À cet égard, le Messie premier d'Islam lui-même a déclaré que nous sommes en train, l'époque du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui était l'époque de la perfection de la direction divine, et que l'époque du Messie premier d'Islam, c'est l'époque du parachèvement de la diffusion du message du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, sa direction parfaite. Et cela grâce à l'usage de ces nouvelles technologies et grâce à ces ressources qui n'étaient pas disponibles dans le passé. En bref,
La grande mission du Messie premier al-Islam était de transmettre les enseignements du saint prophète Mohammed à toutes les nations et à tous les peuples. Et pour atteindre cet objectif noble, Allah le Tout-Puissant lui-même nous a octroyé ses moyens. Au cours de sa vie, le Messie premier al-Islam avait écrit plusieurs ouvrages afin de transmettre le message de l'islam et afin de défendre l'islam de ces multitudes d'attaques, afin de défendre l'islam de cette multitude de mensonges qu'on a colportés contre l'islam par les adversaires de l'islam. Dans chacun de ses ouvrages, le Messie premier l'Islam a présenté un message qui est intemporel et il a éclairé les enseignements sublimes de l'islam. Le Messie premier l'Islam a informé le monde que c'est uniquement à travers les enseignements sublimes de l'islam qu'il est possible maintenant d'établir cette relation d'amour entre Dieu et sa création. C'est uniquement à travers l'islam que les êtres humains vont respecter les devoirs de Dieu. De même, il nous a enseigné que c'est uniquement en suivant les véritables enseignements de l'islam qu'un croyant pourra s'acquitter de ses devoirs envers autrui. C'est à travers ces enseignements parfaits de l'islam que le Messie premier l'Islam a présenté c'est dans ses discours, donc dans ses livres, que le Messie premier l'Islam a présenté ce message sublime de l'islam. En accord aux circonstances de son époque, plus de 100 ans de cela, le Messie premier l'Islam a mis en place un plan pour la prédication du message de l'islam et pour cela, il a utilisé plusieurs moyens pour diffuser le message de l'islam. L'imprimerie était établie à l'époque et c'était un moyen très efficace pour transmettre des informations à l'époque. C'était aussi un moyen très important pour transmettre ses croyances. Eh bien, à cet égard, le Messie premier l'islam a publié des annonces dans des journaux et il a publié aussi des articles dans différents journaux afin de pouvoir transmettre le véritable message de l'islam partout dans le pays. De plus, afin de transmettre le message de l'islam, le Messie premier l'Islam a demandé à ses disciples d'acquérir une connaissance profonde de leur religion et de consacrer leur vie pour la propagation du message de l'islam aux autres. Certainement, jusqu'à son dernier souffle, le Messie premier l'Islam a tenté d'accomplir sa mission divine. Cette mission qui est celle de transmettre le message de l'islam, non seulement à sa nation, à son peuple, mais aussi à travers les continents et à travers les autres continents et à travers les frontières. Et l'histoire témoigne du fait que le message du Messie premier l'Islam est arrivé aux États-Unis, en Europe,
et le Royaume-Uni durant son vécu, et ce à travers une bonne couverture médiatique. À titre d'exemple, il avait lancé ses défis et ses défis contre les opposants de l'islam. Il y a eu donc ces défis qui ont été publiés dans les journaux. Ce n'est pas la peine pour moi de mentionner les détails de ces incidents. Mais il suffit de dire ici que il est clair que le Messie premier l'islam a toujours utilisé l'imprimerie et la presse pour servir l'islam et pour transmettre les beaux enseignements de l'islam à une audience très vaste. Par la suite, après le départ du Messie premier l'islam, après son décès, Allah le Tout-Puissant a établi le système du califat. Depuis le tout début, la Jamaat a fait de grands efforts pour transmettre la mission du Messie premier l'islam et pour faire en sorte que l'on puisse transmettre le message de l'islam aux quatre coins du monde. À titre d'exemple, à l'époque du premier calife, Radiyallahu anhu, un missionnaire a été envoyé au Royaume-Uni pour présenter le message de l'islam véritable aux Britanniques. Par la suite, à l'époque du deuxième calife, les efforts dans le domaine du tablir ont pris de l'ampleur et le message de la Jamaat a été diffusé très loin et le message a atteint différents pays en Europe, en Afrique, sur le continent américain et ce message a atteint les confins du monde et dans différentes îles même. Et on a fait de grands efforts et de grands progrès et la Jamaat n'a cessé de progresser. Cependant, en raison de nos ressources limitées, il n'était pas possible de transmettre le message de l'Ahmadiyya aux quatre coins du monde au tout début du deuxième califat. Cependant, Allah le Tout-Puissant n'a cessé de bénir les moyens limités qui étaient à la disposition de la Jamaat. Au cours de cette période, le moyen le plus efficace pour transmettre le message de l'Ahmadiyya était l'imprimerie et la presse et la publication des ouvrages. Par la suite, en 1938, on a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de la Jamaat. Ce nouveau chapitre a été ouvert quand, pour la toute première fois, le message de l'islam de l'Ahmadiyya a été transmis par la voix du calife de l'époque à une audience très vaste à travers les haut-parleurs et le système audio. Et au cours de cet événement historique, le deuxième calife, qu'Allah soit content de lui, a prononcé un discours à la mosquée Aqsa Akkadiane. À l'époque, l'usage des haut-parleurs pour amplifier sa voix était considéré comme un moyen révolutionnaire de progrès et c'était un message remarquable pour transmettre le message de l'islam. Cependant, alors que les gens et s'était réjoui de l'usage de ces haut-parleurs, le deuxième calife, radhiyallahu anhu, avait fait cette prophétie. Il avait déclaré qu'un jour viendra lorsque le calife de l'époque va prononcer un discours akkadien,
alors que sa voix sera transmise dans chaque nation du monde, dans chaque coin du monde. Durant les années qui ont succédé cette déclaration, on a vu quelques aperçus de ce futur béni. La voix du calife n'a cessé de s'étendre. À titre d'exemple, les missionnaires de la Jamaat et le représentant de la Jamaat qui ont été choisis par le calife de l'époque ont été envoyés dans les quatre coins du monde et de là-bas, ils ont pu transmettre le message de l'islam à travers la radio. Nos missionnaires ont pu avoir des temps d'antenne sur des chaînes radio publiques ou privées et c'est ainsi qu'ils ont pu transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya à un public beaucoup plus vaste. À l'époque, ces émissions radiophoniques étaient considérées comme un grand succès et c'était une source de grande fierté pour les membres de la Jamaat. Je me souviens que lorsque les missionnaires envoyaient leurs rapports, les rapports de leurs émissions radio au centre, eh bien ces rapports étaient publiés dans les journaux de la communauté. On voyait cela dans les journaux Al-Fazr et on accordait beaucoup d'importance à ces émissions radio. Et si nous arrivons aujourd'hui à notre époque, nous constatons comment aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas dépendants des chaînes radio privées dans certains pays d'Afrique. Et même ici au Royaume-Uni, nous avons des chaînes radio et nous arrivons à transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et ce, à travers nos chaînes radio, les chaînes radio dont nous disposons. Certes, nous ne sommes pas limités à la radio grâce aux bénédictions de Dieu et grâce aux faveurs de Dieu. Nous avons à présent les moyens pour transmettre le message de l'islam à travers la télévision. Lorsque la télé a été lancée, c'était une plateforme très limitée. On diffusait des informations sur la MTA, on diffusait à travers les télés locales des informations. Et ce, dans ces pays, mais lorsque Allah nous a guidés, et lorsque Allah nous a accordé les ressources et la capacité pour ce faire, lorsque nous avons pu lancer notre propre chaîne, eh bien Dieu a créé ces moyens à travers les chaînes satellitaires pour que nous puissions diffuser le message de l'islam à un plus grand nombre de gens dans les quatre coins du monde. Sans nul doute, cela est l'accomplissement d'une grande promesse qui a été faite et cela est en accord à la révélation qu'Allah avait faite au Messie premier alayhi salam, notamment que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu et en accord à l'accomplissement de cette révélation, suite à l'accord de cette prophétie, aujourd'hui, nous avons 19 studios de la MTA dans le monde entier. Ces studios sont en train de travailler sous la supervision de la MTA internationale centrale et suite aux instructions et aux directives du calife de l'époque. Comme vous êtes tous conscients du fait que les studios sont basés ici, les studios principaux sont basés ici et la majorité des émissions de la MTA sont transmises d'ici. Cependant,
En sus de cela, nous avons établi des studios à plein temps au Ghana, à Kadian, en Gambie, en Indonésie, en Tanzanie, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, à Kababir, à l'île Maurice, au Bangladesh, en Australie et en Ouganda. En raison de certaines restrictions légales, notre studio de la MTR au Pakistan n'est pas actif. Cependant, là où il y a ces restrictions cruelles, on a tenté de mettre fin à de progrès par ces restrictions, mais Allah le Tout-Puissant nous a bénis davantage, et ce grâce à une multitude de studios dans le monde entier. Des studios qui sont en train de fournir donc ces contenus de haute qualité dans le monde entier. En sus de ces studios, à plein temps, il y a des équipes de la MTA qui sont équipées de caméras dernier cri, et en Sierra Leone, au Nigeria et ailleurs, il y a ces équipes qui disposent de cette nouvelle technologie, et là-bas, ils sont en train de produire des émissions ou des petits documentaires pour la MTA. Par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, nous avons pu transmettre des émissions en direct de Kadian et du studio Abdul Wahab du Ghana. De même, il y a les studios de la MTA en Allemagne qui ont lancé des émissions en direct en langue allemande. En fait, en sus de notre contenu en langue anglaise et en langue ourdou, et il y a maintenant des émissions qui sont produites en différentes langues, en langue française, en langue swahili, en langue turque, parmi tant d'autres. Ainsi donc, par la grâce de Dieu, on est en train de transmettre le message de l'islam véritable aux quatre coins du monde, et ce à travers la MTA. Si nous analysons nos ressources, les ressources humaines dont nous disposons, et nos ressources financières, nous allons constater qu'en fait, nous n'aurions pas pu accomplir tout cela par de propres moyens. En réalité, tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous avons accompli, est le résultat de cette promesse divine et de cette révélation, à savoir que je vais transmettre ton message aux quatre coins du monde. Tous les jours, nous constatons avec nos yeux l'accomplissement glorieux de cette révélation et la manifestation du soutien de Dieu. Auparavant, nous n'avions qu'un seul studio et qu'une seule chaîne. Par la grâce de Dieu, nous avons maintenant plusieurs chaînes de la MTA qui sont en train de transmettre des émissions dans différentes langues à travers le monde. Nous avons la MTA 1, la MTA World, qui est à la MTA principale. Et cette chaîne est disponible dans le monde entier. En sus de cela, il y a la MTA 2 Europe, la MTA 3 Al-Arabiya et la MTA 4 Afrique, la MTA 5 Afrique, la MTA 6 Asie et la MTA 7 Asie et la MTA 8 pour le continent nord-américain. Ces chaînes sont disponibles à travers les réseaux satellitaires et à travers des télés, à travers les plateformes de streaming et à travers différentes applications en ligne. Grâce à ces streamings en ligne, tout le monde dans le monde entier peut accéder à toutes ces chaînes, aux chaînes qu'ils veulent suivre et dans les langues qu'ils préfèrent. En sus de cela, il y a aussi, on est en train de transmettre la MTA au Suriname et en Gambie sur des chaînes terrestres. Et récemment, la MTA Ghana a lancé une chaîne terrestre. Dans ces pays,
on est en train de transmettre le message à travers le réseau local, et ce sans qu'on ait besoin de chaînes satellitaires, et cela va prendre de l'ampleur. En ce qui concerne le contenu des émissions, par la grâce de Dieu, la qualité des émissions est en train de prendre de l'ampleur, et ces émissions sont en train d'éclairer les gens à propos des véritables enseignements de l'islam. À titre d'exemple, il y a des problèmes, des émissions religieuses et d'autres documentaires intéressants qui sont diffusés et qui sont produits et qui sont donc diffusés sur ces différentes chaînes. Et il y a aussi d'autres émissions qu'on est en train de préparer pour les enfants. En sus de cela, il y a plusieurs émissions qui visent à faire comprendre la religion aux téléspectateurs et d'autres émissions aussi. Et il y a des émissions pour lesquelles on est en train de présenter les ouvrages du Messie premier des salam. On est en train aussi de réciter le Saint-Coran. On diffuse la récitation du Saint-Coran tout au long de la journée. Il y a aussi d'autres émissions qui sont là pour combler les besoins religieux, moraux et spirituels de la Jamaat. Et cela est très bénéfique. Ces émissions sont très bénéfiques pour les membres de la communauté. Les émissions de la MTA nous permettent de transmettre le message de l'islam aux gens qui n'appartiennent pas à la Jamaat. Donc, à la MTA comble le besoin de la formation morale et spirituelle des membres de la Jamaat. Et la MTA est aussi un moyen très excellent pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya aux autres. De plus, au cours des 18 derniers mois, une période où les nations du monde entier étaient face à cette pandémie du COVID-19, nous avons vu beaucoup de faveurs, nous avons vu davantage de faveurs et ceux associés à la MTA. Au cours de cette période de confinement, je n'ai pas pu voyager dans le monde entier et les Ahmadis du monde entier n'ont pas pu me visiter non plus. Cependant, à travers les bénédictions de la MTA, il y a eu ce contact direct entre le calife et les membres de la Jamaat. Ce contact direct et les membres, ce contact n'a pas seulement continué, au contraire, ce contact a pris de l'ampleur et ce contact a atteint de nouveaux sommets par la grâce de Dieu. En sus des sermons du vendredi hebdomadaire qui sont diffusés en direct dans le monde entier, il y a maintenant un nouveau moyen pour rencontrer les gens et ce de manière virtuelle. Et on a vu cela au cours de cette période. À travers ces rencontres interactives, je rencontre directement les membres de la Jamaat du monde entier. Et j'arrive à donc tenir des rencontres avec les responsables. Un jour, je rencontre des Ahmadis de l'Australie et le lendemain, je rencontre des Ahmadis de l'Indonésie ou des États-Unis ou de Qadian, ou de l'Europe, ou d'Afrique, ou du Canada, et du monde entier. En étant ainsi ici, à Islamabad, j'arrive à rencontrer toutes ces personnes, et la voix du calife est en train d'atteindre les quatre coins du monde. Nous sommes témoins de ces bénédictions, et nous sommes en train de voir ces grands progrès, et nous pouvons que nous rappeler de cette prophétie faite par le Muslim Maoud Radu Talanhu, qui avait déclaré une prophétie que j'avais évoquée auparavant. Il avait dit que
Ce jour est proche lorsque le calife de l'époque va parler et que sa voix sera entendue en direct dans le monde entier. Comme je l'ai dit, toutes les semaines, on diffuse le sermon du vendredi. Le sermon du calife est diffusé en direct dans le monde entier. En sus de cela, il y a d'autres événements qui sont diffusés sur la MTA. À titre d'exemple, la MTA est en train de produire les points importants de ces rencontres virtuelles. Par la grâce de Dieu, cela est d'un avantage des plus importants pour les téléspectateurs. Il y a un nombre de gens qui nous envoient leurs commentaires. Ils disent que, ayant suivi ces rencontres virtuelles, eh bien, leur amour pour le califat s'est renforcé, ainsi que leur foi, ou qu'ils ont appris de nouvelles choses grâce à ces rencontres, des rencontres qui vont les aider pour leur progrès moral et spirituel. Et il y a d'autres personnes qui nous écrivent et qui disent que ils ont appris beaucoup de choses à propos du système administratif de la Jamaat, et ce à travers ces rencontres virtuelles. D'autres disent qu'ils avaient des questions qui ont été répondues au cours de ces rencontres. D'aucuns disent qu'ils arrivent à comprendre le point de vue de la calife, du calife sur différents points, que ce soit du domaine religieux ou sur nombre de personnes nous ont écrit, et pour ces gens nous ont informé que grâce à ces émissions, ils se sont réformés et ils ont tenté d'accroître leur service qu'ils rendaient à la Jamaat et de jouer leur rôle pour en faire en sorte de maintenir l'unité de la Jamaat et que cette unité ne cesse de grandir. Ainsi, d'un point de vue spirituel et administratif, la MTA est en train de jouer un rôle très important pour transmettre le message du calife et pour amplifier la voix du calife. La MTA est en train d'éliminer ces distances. La MTA est en train d'enlever ces barrières. Et la MTA est en train de faire en sorte que la Jamaat du Messie Premier d'Islam soit toujours unie au nom du califat, sous la bannière du califat, et de faire en sorte que les Ahmadis du monde entier suivent exactement les mêmes préceptes religieux. D'un coin du monde à un autre, de l'Asie jusqu'en Europe, d'Afrique aux États-Unis, de l'extrême-orient jusqu'aux îles, de l'est jusqu'à l'ouest, du nord jusqu'au sud, on est en train de transmettre les messages du Messie Premier d'Islam, ses enseignements ainsi que les instructions du calife. Et ainsi, on est en train de transmettre cela aux gens du monde entier à travers la MTA. Tous les Ahmadis doivent être reconnaissants envers ces personnes qui sont en train de servir au sein de la MTA. Cela inclut les membres du personnel permanent qui sont en train de servir avec une grande sincérité et qui se contentent des allocations qu'ils reçoivent. Cela est minime comparé à ce qu'ils auraient pu recevoir s'ils travaillaient ailleurs. Et de plus, dans nos différents studios dans le monde entier, il y a aussi des centaines de volontaires, de bénévoles, qui ne sont pas payés, mais qui sont en train de servir et qui sont en train de servir avec une grande dévotion.
Si nous considérons le temps qui est consacré, les efforts ainsi que les atouts de toutes ces personnes, et nous allons constater que ils sont en train de faire économiser à la Jamaat des millions de livres sterling dans le monde entier à travers leurs efforts. Cela coûte environ 5 à 6 millions de livres sterling pour faire tourner la MTA tous les ans, sur, parfois plus. Et la majorité de cela est dépensée sur les coûts satellitaires ainsi que sur les autres dépenses. De même, nous sommes en train d'économiser le même nombre à travers les efforts de nos bénévoles. Je me souviens comment une fois, lors d'un événement aux États-Unis, j'étais assis à côté du gouverneur d'un État et on a parlé à propos de la MTA. J'ai informé le gouverneur que la MTA est une chaîne religieuse qui diffuse ses émissions 24 heures sur 24 et dans le monde entier, et que cette chaîne est distincte des autres chaînes parce que cette chaîne ne reçoit pas du soutien financier d'un État quelconque, et cette chaîne ne reçoit pas aussi de l'argent à travers des publicités. En entendant cela, le gouverneur était choqué, il était abasourdi même. Il m'a demandé comment faire tourner une chaîne de télé 24 heures sur 24 sans aucun revenu à travers la publicité. Pour les gens de ce monde, il est certainement impossible de comprendre comment la MTA peut survivre en tant que chaîne. Au contraire, que la chaîne MTA puisse s'épanouir sans aucun revenu commercial. Cependant, ils ne comprennent pas que la MTA est une manifestation de cette grande promesse de Dieu, cette promesse qui a été faite au Messie premier à l'Islam, notamment que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre. C'est Allah le Tout-Puissant qui a mis cette passion dans les cœurs de la Jamaat. C'est lui qui les a poussés à sacrifier leur nuit et leur jour pour la MTA et de jouer leur rôle pour son progrès. Encore une fois, je réitère que le membre du personnel permanent et tous les volontaires, là où ils se trouvent, là où ils sont en train de servir la communauté, toutes ces personnes méritent nos appréciations les plus sincères et nos prières les plus sincères. Quelles que soient les requêtes qu'on l'on fait, ils ne cessent de servir la communauté et ils sont en train de le faire avec un sourire aux lèvres. Et ils sont en train de le faire avec un grand dévouement. Certainement, je suis très reconnaissant envers vous tous. Qu'Allah vous récompense, vous tous, et qu'Allah fasse que vous puissiez servir en toute humilité et en toute abnégation. Qu'Allah vous permette à vous tous de jouer votre rôle pour transmettre le message du Messie promis l'Islam. Message qui, en réalité, est le message et l'enseignement du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je prie aussi que vous soyez toujours humble et que vous ne laissiez pas une trace d'arrogance ou de fierté de pénétrer dans vos cœurs. Ne croyez jamais que le succès de la Jamaat ou le succès de la MTA dépend de votre personne, dépend de vos atouts ou dépend de votre temps, et que vous méritez ces éloges ou que vous méritez des récompenses matérielles. Certainement non. Si vous êtes toujours sincère et dévoué, et si vous servez en toute humilité la Jamaat, vous allez mériter la meilleure des récompenses, récompense de la part de Dieu. Qu'Allah vous permette à tous d'être toujours à la hauteur des attentes
du calife de l'époque et que vous puissiez toujours faire davantage, servir davantage la MTA, que vous travaillez ici au centre ou dans un de nos studios à travers le monde. Qu'Allah vous bénisse, vous tous, et qu'il vous accorde la meilleure des récompenses et qu'il vous permette de servir la mission du Messie Promet l'Islam de la meilleure de toutes vos aptitudes. Amin. Veuillez m'accompagner pour la prière silencieuse. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah.